vraiment. Tu n'as que si quelqu'un te touche, c'est qu'il a touché mon Jojo. Et si quelqu'un touche mon Jojo, il a porté atteinte à Big Ride aussi. Donc même si tu es qui, moi je vais te gérer. Tu ne devais pas toucher le ventre. Bobby, donne-moi les informations. Non. Quand tu vois le garrot sur le ventre, j'étais le Congo, ça n'est pas bien. Oh. À toi, je ne peux rien te cacher, mon grand. Non, j'ai confiance. J'étais allé faire le recrutement du billet. Le tulé m'a tapé Wapi. Deux fois. La deuxième fois, si nulle était l'intervention de. Tu te rappelles de ma copine policière là. Qui comme ça, grand? C'est qu'on avait dragué un jour. Elle parlait l'anglais là. Ah! Muriel. Muriel. Oui. Elle est policière. Que tout. Yeah. Muriel. Que tout. Mouf. Quand Muriel est arrivée en renfort, Wapi. Oui. Elle a seulement fait le rôle le jour là, elle a oublié son âme. Tu allais entendre que j'ai tué quelqu'un. Moi j'allais tuer quelqu'un. C'était à ce point grand. Ah, j'ai dit que c'était pire. Il y a aussi Flo. Wapi. Flo n'a pas fait le. Vous appelez ça le planning familial sans me dire. Aïe. Je joue dans un stade sans goal. Donc depuis qu'on se disait que non grand, peut-être où c'est qu'on t'avait fait ça au village, où c'est que. Mon frère. Ça. Qui m'ont mis au sol. Ta frère. Oui. Ton disque de retour. Ta machine a calculé de retour, grand. Ne t'inquiète pas. Donc, toutes tes situations-là, je vais gérer ça en 6-4-0. Tu comprends un peu, non? Mm-hmm. Donc, 6-4-0. Oui. Retour pas de 6, tu tombes à 4, après oui. Choupe, on est à 0. Oui. Wapi. On va gérer ça. Wapi. Oui, grand. J'ai confiance, non? Alors. J'ai confiance, tu non? Tu as confiance, non? Où est-ce ton 10 ou est-ce pas ton 10? Hey, Wapi. Attends, c'est qu'on va faire. Tu es allé de quel côté? Ah, tu m'amènes, hein. Tu sais que. Hein? Tu sais que ton petit. N'est-ce pas? Où tu m'amènes. Je peux t'amener même où? Parce qu'il faut qu'on aille manger quelque chose de bien. Oui. Tu vois? Il faut que tu t'amènes manger quelque chose de bien. Et. Voilà. Alors, je sais où on va partir. D'accord. Je sais là où on va partir. Je suis à ton écoute. Hé! Mon c'est bon! Wapi, attends. Faut que je l'appelle pour me rassurer s'il est à la maison. Tu sais que les hommes riches là dérangent beaucoup, hein. Ça ne passe pas, hein. Comment ça? C'est que les hommes riches, là, pour arriver chez eux, il faut prendre rendez-vous. Sinon, c'est le chien qui va t'accueillir. Ou encore, c'est le vigile qui va sortir, tu vas entendre. Le patron a dit que je t'ai dit qu'il n'est pas là. Mais Sikati, tu m'as dit que c'était ton frère, non? Oui, c'est mon frère. Ce n'est pas mon frère, même famille. C'est mon frère du village. Les Camerounais, vous êtes forts. Cameroun au Bosso. Donc vous êtes du genre quand quelqu'un n'a pas les moyens. Non, sa famille est restreinte. Genre père, mère et enfant. Mais dès qu'il a un peu d'argent comme ça, vous êtes devant son portail. Toc, oh le père. Toc, oh le père de la nation. Oh non, vous savez, le village, vous avez vous donné un titre honorifique. Vous êtes quelqu'un qu'on respecte beaucoup, même s'il n'a pas fréquenté. Vous commencez à poser les problèmes. Pape. Ma mère doit aller au village. Pap, mon père a ceci. Pap, mes enfants ont ceci. Pap, ceci, cela. Ya! C'est comme ça que vous faites. Les hommes politiques coupés sont en prison. J'ai dit, hein, Wapi. Ils sont obligés. On les a envoyés. Ah bon, hein? S'ils se font passer pour des pères Noël, tant pis pour eux. Ah bon, hein? C'est comme ça que vous êtes. Les Camerounais, vous êtes. Donc, on ne peut même pas avoir confiance en vous. Vous êtes comme les sans confiance. Je vous assure. Voilà, j'ai vu Mendoza. Quand il était bien, il se mettait au balcon, il lançait la yam, vroup, vous étiez devant, il chantait Asimba oh, Amanangang, Asimba, vous étiez là. Asimba oh, Amanangang, c'est pas ça. Maintenant, il est où? Tu sais quoi, Wapi? Tu
Je connais ton problème, c'est le soleil là qui te dérange. Allons, je vais te donner une bière. Il ne veut même pas un gant. Allons, je vais te donner une bière. Ah, mais comme tu insistes. Oui, papa, j'insiste. Ouais, puis j'insiste. Allons. Ça va? Tu es mon petit, tu te connais. C'est comme ça? Ouais. C'est que vous, les Camerounais, là. Oui, laisse. Je croyais que tu avais changé un gant. Eh, pour devenir quoi? Non. Ça va. On change la pièce de 5 francs. Insiste. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas gentil, même un peu. Je souffre dans ma chair, tu m'abandonnes. Comment ça? Ça ne va pas chez moi. Mon foyer va de mal en pire. Avant de venir te rencontrer tout à l'heure, Flo sortait de la briqueterie où elle me raconte qu'elle a bagarré avec l'or. Et qu'elle va m'attendre à la maison. Donc là où je suis, je ne sais pas. Ce qui va m'arriver dès que je vais arriver à la maison. Gang, c'est quoi véritablement le problème? Parce que toi là, on se connaît. Ce que je sais, ce que je veux, un enfant. Et Flo ne veut pas. C'est seulement ça. Il y a encore un truc qui me dérange. C'est que dès que tu as un petit problème avec Flo, aïe. Elle appelle directement les membres de sa famille. Mon petit. Oui, gang. De 3 ans moins. Tu as vu un membre de ma famille venir ici un jour intervenir pour un problème que j'ai chez moi? Non. Elle me veut quoi alors? Non, elle me veut quoi? Grand frère, je viens d'avoir une idée. Donc mon cerveau vient de tourner. Ça s'est arrêté. Tchac! Net à la solution à tes problèmes. Tu vois ton ami, non, ton frère. Black Oya. Black Oya, oui. Voilà. Tu vois aussi ton frère Watla, qui est brun comme ça. Le succès de mon père. Oui. Je vais essayer de le voir. Il s'appelle comment le succès de ton père là? Ivo. Je vais essayer de le rencontrer, les deux. Donc je mets Black Oya, je mets Ivo. On va constituer un collège familial. Tu vois? Afin que à chaque fois que tu ressentes l'esprit des problèmes, donc quand l'esprit des problèmes veut venir, pap, tu me bip. On vient gérer ton problème. Mon petit, tu vois pourquoi il dit que ton absence a joué sur moi? Tu étais où? Hein? Tu ne devrais même plus m'abandonner, aller rester comme ça. Gars, je suis là. Et actuellement, je suis bourré des idées. Hey, donc, mon petit. Mon cerveau, comme ça, quand j'incline ma tête comme ça, l'idée veut sortir, je tape, ça revient comme ça. Oui. Hey. Mon petit de confiance. Oui, gang. Voilà, tu sais ce que je veux faire? Je veux courir à la briqueterie avant d'arriver à la maison. Si je trouve qu'il y a un petit problème, je te bip. Hein? Oui, gang. Je te bip. Il n'y a pas de souci. Il faut courir, gang. C'est ça. Heureusement que je suis là. C'est que tu allais faire comment? Moi, je ne pâtissais plus. Ouais, maman, il y a quoi, non? On a dit qu'après le travail, je vais te payer, non? C'est comment? Ouais. Non. Au début, toi et moi disais que un taclage, un argent, tu ne voulais pas donner mon argent. Regarde tout le distance que toi et moi on marchait. Tu pensais qu'il faisait comment? Tu me donnes mon argent maintenant. Tu es là, tu ne travailles même pas bien, mais tu demandes de l'argent. Tu es moumou, tu n'as même pas d'âme. Eux, les hommes en tenue, vous êtes tous pareils, malhonnêtes. Ne me sortissez pas le gros français, ne me sortissez pas. Weda, il s'est malhonnête.
tout ce que tu disais là, tu pensais que moi, un Écossais peut aussi comprendre le français. Mais je ne veux même pas comprendre. Tu me donnais mon argent maintenant, si là. Ok, il n'y a pas de souci. Ton âme est où? C'est beaucoup. Moi, j'ai laissé ça là-bas à la maison. Il pesait trop. Il va me rembaisser. Moi, il pesait trop. Ok. Tu penses que tu es trop sage là. La sagesse là, c'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui ai créé ça. Tu as laissé ton âme à la maison parce que ça pèse trop. Mon argent, j'ai laissé parce que ça pèse beaucoup. Donc, on finit de travailler. On rentre à la maison, je te donne ton argent. Allons-y. You want to stand wish with me? Tu veux commencer la sorcellerie ici à Douala avec moi? Tu ne me donnais pas mon argent et tu m'as amené en prison. Je disais au monsieur le maire que tout a utilisé le nom de la mairie pour aller voler les gens. On va te mettre à New Bell, même à Konengi même. Si tu veux tout me tenter. Enfermé qui moi, même quand ton commissaire va me voir bien habillé comme ça, il va savoir que je suis un vrai agent d'impôt, le meilleur agent d'impôt de Douala 7e. Je suis un agent d'impôt, donc je suis un agent d'impôt agenté, tu comprends? Et même si on m'arrête, on meurt ensemble parce qu'on est complices. Je te rappelle, on fait le fou ensemble. On y va. Ensemble, toi et moi, on m'a tenu Vabangji, ensemble. Tu vas voir, attends. Ouais. C'est quoi? Pourquoi tu te fâches? Je blague, non? Ouais. Tout va me voler, non? Moi aussi, je veux toute force, l'autre là. Tu me tues sur quoi? Ça va. Tu ne m'as même pas acheté l'eau depuis qu'on marche. Toi là, tu me dis qu'on est ensemble. C'est la dernière fois que je travaille avec toi. La dernière fois. Mais ajouter l'autre là, sur ça. Et ajouter quoi? Tu as travaillé quoi? Tu n'as rien travaillé. C'est moi l'agent d'impôt. Et tu n'es que mon gars du croquis. Tu t'amuses même. Hey. Non, mets l'autre aussi sur ça aussi. Prends. Si tu faisais comme ça depuis, on ne devait pas durer là-bas. Toi et moi maintenant, bon ami, bon agent, bon ami. Toi, tu voulais d'abord m'escroquer. Bandit même. Il y a un monsieur là. C'est un expert en malhonnêteté. Un malhonnête. Il ne paye pas bien ses impôts. Il pense bien la fois qu'il a donné 50 000 aux derniers agents d'impôts. Ils ont falsifié sa catégorie. Donc il peut maintenant moins. On va aller là-bas. Il faut qu'on parte. Et tout me disait, mon problème dans impôts 50 000, c'est quoi? Mon problème c'est quoi? Tout parlait d'abord même beaucoup. L'agent ne parlait pas fort. Si tu sais qu'il y a l'agent là-bas, on peut chercher l'agent. Toi là, tu me racontais ou tu me racontais quoi? Tu vois la briqueterie là? La briqueterie là, tu vois non? La boutique est à côté là. C'est la boutique du monsieur là, le malhonnête. C'est là-bas, on part là-bas. Oui, l'endroit là. Oui. L'endroit là-bas. Oui, c'est ça non? Moi, il ne partait pas là-bas. Il ne partissait pas là-bas. Eh, hey, viens, oh. Ne commence pas ta sorcellerie en plein jour, tu comprends? Tu veux te montrer que je suis deux fois sorcier que toi. Ne commence pas ça. Dans ma boyfriend place, c'est le place de mon gars, il travaillait là-bas. Tu voulais que moi, il ne pas escroquer mon gars. Comment? Non, moi, il ne partissait pas là-bas. Les gens qu'on a pris l'argent là-bas, tu ne souviens pas mon gars là-bas. C'est mon gars, hein? Comme tu as pris ton argent, tu veux maintenant montrer la sagesse, hein? Il n'y a pas de problème. Je pars là. Si tu me donnes quelque chose, tu me demandes 5 francs. Je te dis, yeah. Ah. Non, faut partir. Lui, non, il gagne plenty money. Il gagne beaucoup l'argent comme ça. Je vais te surveiller à distance. Distance security, tu vois un peu, non? Attends, tu surveilles qui? Tu n'as même pas l'arme. Les longues vues, tu n'as pas. Tu dis que tu me surveilles. Si on fait tout, tu sais la première à fuir là. M'énerve même pas. Me voilà qui passe seul, oh. Après, ne viens pas dire que. One travail, one agent. C'est une place le tout aussi. Seul, je te dis. Good luck, eh? Je vais te surveiller à distance. Distance security. Bonne chance, Seman. Mais là, m'a donné combien de l'argent? Non, c'est Cathy. Je te confirme le tout, c'est vrai. Donc, quand ma tante est venue te parler là, tu n'as rien compris. Je ne peux pas laisser ça. Je ne peux même pas laisser. C'est Cathy, on va voir ça maintenant. Allô, papa? Viens toi-même voir l'enfer que tu m'avais mise dedans.
la dette de quoi? Il ne peut plus m'en supporter. Papa ne me demande pas de me calmer. Trop c'est trop, je ne peux plus. Ok, papa, j'ai compris. D'accord, papa. Ok, tout à l'heure. C'est Kati. On t'attend ici. Je passe pas. Je passe pas. Je passe pas. Je passe pas. Hey. Bonjour. 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 C'est à moi que vous adressez. Moi, patron ici. Moi, patron. Patou. Tchikati Pati, moi, patron. Je viens. Moi, vendu papa ici. Papa de 10. Papa de 15. Moi, patron, Eman, moi, patron, patron ici, moi, patron ici, patron ici, et moi, beaucoup d'argent, Comme vous insistez. Bonjour. Bonjour. Je peux voir le propriétaire? Moi, patron, ici. Patron, c'est Kati Pati. Tu es sûr que c'est toi le patron d'ici? Oui, c'est moi, patron. Moi, patron, Eman. Moi. Vendu papin. Papin de 10. Papin de 15. Je veux les papiers de la boutique, les papiers. Je suis un agent d'impôt, je veux les papiers de la boutique pour le contrôle. Ciment. Ouais, mon ami, tu ne veux pas le ciment. Tu m'as dit que tu étais le propriétaire. Non, je veux les papiers de la boutique, les papiers, ça. Papier. Regarde les papiers. Je vois que tu joues avec moi. Malade. Ok, tu veux faire semblant de ne pas comprendre parce que tu veux pas payer les impôts. D'accord, je ferme ça. Je vais sceller ça, je ferme ça. Allez, qui là-bas? Pas ça, ma. Tu me touches? Ferme pas. Touche-moi encore. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade. Ferme boutique. Mais monsieur, qui êtes-vous? Bonjour monsieur. Commencez par vous présenter. Je suis le propriétaire des lieux. Ouais. Enfin un homme sensé. Passez. Moi c'est Thierry Lafleur. Je suis un agent d'impôt. Le meilleur agent d'impôt du Douala 7e. Je veux le papier de la boutique. Je peux avoir votre ordre de mission? Mais monsieur, vous me manquez de respect pourquoi? Rien qu'en voyant mon habillement, ça décrit ma fonction. Monsieur, l'habit ne fait pas le monde. Je peux avoir votre ordre de mission ou votre badge? Je vous rappelle, je suis un agent d'impôt, le seul agent d'impôt du Douala 7e qui a la médaille d'argent. C'est pour ça qu'on me surnomme agent d'impôt argenté. Donc ne me manquez pas de respect. Je suis international, monsieur. Vos papiers, sinon je ferme ça. Je peux avoir votre ordre de mission, monsieur. Vous me froissez, vous connaissez ce que vous êtes en train de faire là. Je peux avoir votre ordre de mission. Vous risquez la prison, hein. Je peux avoir votre ordre de mission. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Kucha,
Il ne bouge pas, je viens. Non, grand frère, on peut s'arranger. Non, s'arranger, c'est avec ma boutique que tu dois t'arranger. Non, grand, je me défends juste, grand frère. Et tu te défends devant ma boutique. Non, je passais juste, il grand il frère. Il ne bouge pas. Mon place, ma vie. Ne bouge pas. Bouge pas. Tu connais ce que tu es en train de faire là. Tu bouge pas. Tu vois, ton patron est passé parce qu'il sait que je suis un agent d'impôt. Donc, il fuit la police. Donc, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'empêcher un agent d'impôt agenté dans les études de ses fonctions. Donc, j'appelle la police. Oui, j'appelle la police. Allô? Koucha! Mais il est où? Pachi. Je te demande d'arrêter quelqu'un, tu le laisses partir comment? Appelez la police, arrêtez-moi. C'est un bandit! Appelez la police, arrêtez-moi. Tu appelles la police? Je t'ai fait la carte d'entrée des mains, non? Va me puiser de l'eau derrière là. J'ai dit que tu peux me puiser de l'eau. Pas puiser de l'eau, remplis-moi les cuivres là derrière. Tu n'as pas un bandit, le gars de. Fouillez quoi? Quelqu'un te poursuivait. Je mourrais. C'est quoi? Je comprends pourquoi on dit que le jour est à ma chance. La chèvre peut te mordre. Je comprends. La chèvre te poursuivait. Il t'est mort. Ouais. Quel chèvre qui m'a maudit? Personne, toi tu es bête. Ouais. Hey. Tu vois le monsieur là, non? Le monsieur là. Il a failli me tuer. Il connaît ses droits. Je comprends pourquoi tu as fui. Il a failli m'arrêter. S'il n'était pas Usain Bolt, il ne courait pas. Ah, il m'a fermé. Na monel dat. C'est le modèle. Il te donne l'argent, tu ne peux pas donner pour moi. Ne fais pas que je te. Il t'a donné l'argent. Donnez quoi? Il m'a rien donné. Il t'a donné. Je vais banquer pourquoi? Il m'a rien donné, ouais. S'il ne courait pas, il m'a arrêté. Il partait même. Il m'a arrêté. Il connaît la loi. Hey! Le code pénal, il connaît. Tu n'as pas vu comme il est debout comme ça. Il t'a donné. Toi, un bandit. Pour commencer ça depuis le matin, je voyais. Je ne partais pas. Laissez pas absolument. Ok. Donc, tu m'envoies dans la gueule du loup. Le monsieur là connaît la loi. Il m'a demandé quoi encore là? Voilà. Mon ordre d'émission. Il dit que, hey, ordre d'émission, c'est quoi? Je connais que c'est vous les policiers qui avez l'ordre d'émission. Mon ordre d'émission, ça sort d'où? Hey. Ma part d'intelligence est fini. C'est où ça part commence. Hey, le voilà. Oh, ben te faille à vivre. Moi, dans te faillite d'original. Oh, ben te faillite de bonne. Oh, ben te faillite d'original. C'est de quoi femme te faille, bico, what out city. C'est de grimi faille bonne. Bonne second. Everybody like to the shoot them second. What's up, the kill them music selector? Tu m'as remarqué. Oh, dégraissé. Fouillez encore, je voyais. Fouillez. Nomme ton cadre. Big Rider City. Citoyen confirmé. Oui. Même si c'est la carte d'électeur. Affichou. Show you. Toi, est-ce que c'est toi ici là? Big White Dog City. Donc c'est parce que toi as la carte d'identité et que tu as la carte d'électeur que tu fumais le banga ici au quartier. Tu ne savais pas que l'article 74 yes. du code pénal et l'article 102 de la loi numéro 97 interdit la consommation des stupéfiants ici au Cameroun. Tu savais pas ça? Marie, si c'est pour l'autre là, c'est qu'on va tous nous brinquer. On gâta. Oui. Parce que c'est le seul way que quand tu fumes, tu te sens au paradis. Oui. Oui. Le seul way que quand tu chois, tu n'as plus de paix, de bébé.
hein, dans même tous ceux qui choisent les dos du pays, deviennent des Babylones, des Babylones. Hein? Même les vieux là, hein, les vieux répés qui nous gouvernent, ils ne veulent même pas s'intégrer à la jeunesse. Tu les niais, ils sont Djanga, dans mes Jojo. Même quand ma mère était Luka, tu es un Djanga comme ça. Qui est comment? On passe ton bac. On a fait le prison. Venez. Embarquement. Oui, d'abord. Tu vas faire la prison. Essaye savoir quoi comme ça. Je know comme le oui se passe, non? Hein? Big Wado, si tu y jettes tous ces dos. Ces dossiers. Oui, d'abord, maman. Sainte-moi d'abord. Oui. Diwana Malas. Junior, non? Donc, je suis ma Fab Colo d'abord. Mais. Rider City, citoyen confirmé, si tu n'as pas ça ici au pays, tu vas passer à la justice. Hey, arrête-toi là. Tu dis qu'on part où? On partage moitié-moi. Il t'a donné l'argent moitié-moi. Ne commence même pas tes choses là. Attends d'abord. Ouais. C'est qu'on va gâter tout, hein? C'est qu'on va gâter tout. C'est moitié-moi. Tu as dit tout à l'heure. One travail, one agent. Donc on travaille un peu, on partage moitié-moi. Tu comprends, non? Donc donne ma part maintenant. Don't fire you. Quel partage? Quel agent? Quoi? Tu connais où je le connaissais? This one. La action personnelle, personal money, mon argent il restait in ma poche. Ok, quand c'est ta part, c'est action personnelle. Quand c'est pour moi, c'est action commune. Ne blague même pas, c'est que je vais te tuer maintenant. Tu ignores que tout le travail là, c'est la tête qui a pensé. Si je ne t'appelais pas, si on ne sortait pas, je suis là, j'écris, je réalise, j'ai dit que donc, je joue même. Tu viens, tu manges là, seul, on va manger ensemble, je joue même. Muriel, ah, mof. Tu veux taper moi, non? Oui. Tu veux taper moi, non? Oui. Tape-moi. Tape-moi. Et regardez, c'est pas parce que tu respectes. Malhonnête. C'est la dernière fois qu'on travaille ensemble. C'est la dernière fois. Merde. On te donne 10 000. Même me donner 2 000 fois. Non, tu pars. Et pourtant, c'est moi qui ai arrangé. J'ai écrit. Grâce à moi, on a eu l'argent. Tu pars. Je t'attends devant. Flo! Papa! Papa, comment c'est qu'elle me fait souffrir? C'est qu'elle me maltraite. Il me tape même! J'ai même appelé la tante pour lui parler, c'est qu'elle n'a rien compris. Tout ce qu'il s'est fait, c'est chercher le bordel partout. Papa, je ne peux plus m'en supporter. Mince! Calme-toi, ma fille. Calme-toi. Attends. Il va venir. Il va me sentir. Si Cathy te tape, qui t'a doté à combien? Il connaît combien coûte la dot d'une femme brune comme toi? D'ailleurs même, s'il ne marche pas comme moi je veux, nous on va partir ici ensemble. Voilà, papa. Laisse ma fille. Je l'attends. Papa, allons à l'intérieur. Non, attends ma fille, va me chercher une bière bien glacée. Je bois d'abord. Papa, il n'y a pas de bière ici. Il n'y a pas quoi? Avec tout ce qu'il est en train de faire là? Et il reste à la maison sans une bière? Ha! Moi, je l'attends. Allons.
Hey! Mon bon père! Le bon père de quelqu'un! Mais papa, pourquoi tu m'as pas dit que tu venais? Arrête, Sikati. Arrête. Arrête-moi ça. Tu peux te rappeler à combien tu as doté ma fille? La dot brute était à 400 000 francs. 400 000 francs. Et tu crois que ça mérite la dot d'une femme brune comme ma fille ici? En plus, tu peux te souvenir les gens que tu étais en compétition avec eux? Tu m'avais parlé d'un douanier. Très bien, un douanier. Tu connais combien un douanier touche par mois? Tu connais combien quand il chasse un conteneur, on le paye pour couper? Et toi, avec ta petite briqueterie, tu crois que toi, tu es arrivé? Hein? Tu maltraites ma fille au point de mettre la main sur elle? Tu es fou? Ma fille chérie, calme-toi. T'as compris? Calme-toi. Sikati, nous allons régler ça homme à homme. Allez, suis-moi. Bobby! Bobby! Yeah. C'est comment? Non, ça va. Je dis, hein, où c'est Nathalie quoi? Où c'est Nathalie Couture? Pardon! Je vous avais déjà dit que vos histoires de Congo, ça là, je ne suis plus moi dedans. Tito Petit Assier. Ah non, ce n'est pas ça. Je suis dépassée, Bobby. Ah, y'a là où est mal là. Y'a quoi donc? Bobby, regarde-moi. Je suis que comment? Je suis laide. Quand tu me regardes, y'a quelque chose de bizarre sur moi. Nathalie, je dis, c'est dans ma bouche que tu veux mettre ton piment. Parce que lorsqu'il s'agit de beauté, tu es la tension. Donc, tu es l'incarnation de la beauté sur terre. Tu restes la fille unique de la reine beauté. Ah, ne me flatte pas. Je ne te flatte pas. Tu es le carrefour de tous les ronds-points. Jusqu'à les fous me draguent aussi. Hein? Donc, même les disjonctés, ceux qui ont perdu la tête, te draguent. Comme je t'ai dit là, Tu confies maintenant que ce que tu disais là ne tire pas plus loin que vrai, non? Donc, c'est même un fou, quelqu'un qui a perdu la tête. Parfois, à tomber sur le charme de ta beauté, non? Ça veut dire que tu allumes. Maman. Yes. Tu vois la quincaillerie qui est là-bas en bas, là? Oui. Oui. Il y a un gars là-bas. Oui, il est que fou. Où il s'appelle? Où c'est Kucha? Je ne sais même plus. Maman, le gars m'interpelle, lui, carrément. Le malade mental, là, non? C'est-à-dire que le type, là, je ne sais pas. Il se prend pour le patron là-bas, oh. Quand tu dis, chez moi, le patron, c'est lui, non? Lui-même. Souvent, le gars parle, la salive plonge dans la bouche jusqu'à ce comme s'il avait trempé les dents avec le mot. C'est de lui en question, non? C'est lui-même. Voilà, Nathalie. Tout ce que tu vas faire, comme c'est lui-même qui vient te draguer, non? Mange les bêtises jusqu'à. Faites comme fait, m'envoie fils. Mange jusqu'à tu manges même les os. Tu entends, non? Donc, traumatise-le. Jusqu'à quand il regarde même le parpaing de 20, non? Il confond le parpaing de 10. J'ai compris. Fais comme tu as dit là. Étouffe-moi le gars là. Donc, comme il y a disjoncté là, il devient plus fou même qu'auparavant. Il dit que. Mais... Donc, fais du Jacques. De lui, il a vu les choses si vous aussi manger. Les demandes ont le courage. Tu pars comment? Ouais, Bobby, on ne peut pas blaguer avec toi. Ce n'est que toi que j'ai confiance. Parce qu'il s'agit de dépanner le satellite, non, Nata. Ouais,
Hey, tu ne baisses pas la garde, c'est bon chéri Coco. Wombo, la beauté, oh. Hi. Regarde ce qu'un malade mental va attaquer. Les gars ont le courage, tu veux pas se dire que la tête ne tient plus. Faites comme, faites m'envoque ici, mange le tout. Mange jusqu'à tu manges même les os de ça. Oh maman, ambou mali, ambou mbango apé, ambou volo. C'est Cathy. Papa. Donne-moi une bière bien glacée, je bois. Ah. Maman. Pardon, apportez-nous deux bières. Raconte-moi ce qui ne va pas. Papa, je ne sais pas ce que Flo me veut. J'ai demandé à Flo de me faire un autre enfant. Elle refuse catégoriquement. Là où elle est, si elle entend seulement que je salue une fille, elle va aller directement bagarrer avec cette fille. Et comme ça ne suffisait pas, dès que j'ai un petit problème avec elle à la maison, elle appelle directement sa tante. Elle va venir bavarder. Elle va venir me parler comme si j'étais un enfant. Et là où tu me vois là, papa, aucun membre de ma famille n'a mis pied ici un jour pour arranger nos problèmes. Je suis dépassé. Sikati, Sikati. Papa. Tu es con. Oui, j'ai dit que tu es con. Tu es con jusqu'à plus. Comment ça? Comment ça, papa? Quand on épouse une femme brûle, comme celle-là, on lui fait les enfants chaque 2 ans, sinon elle va partir. Mais je vais lui faire les enfants comment? Quand elle va faire le planning familial sans mon consentement? C'est aujourd'hui qu'elle fait ça. Avant, vous faisiez comment? Quand nous, les vieillards, on confisque le pouvoir, vous pleurez. Mais vous, les jeunes d'aujourd'hui, hein, vous manquez d'expérience en tout. Même dans vos gérer vos foyers, vous manquez tout. Hein? À notre époque, il n'y avait pas de préservatif, ni de contraceptif, ni rien. Hein? Nous, on espaçait les naissances de nos enfants de 2 ans à 3 ans. Mais aujourd'hui, vous faites quoi? Hein? Vous ne faites rien. Hé, hey, lève-toi là-bas. Où va le camp? Le secret de pistache, c'est de bien écraser. Là. Mon grand sûr. Comment, Wapi? Ça va, grand. Bonsoir, papa. Wapi, je te présente mon beau. Bonsoir, le père. C'est mon beau père. Bonsoir, mon fils. Bonsoir. À la bienvenue. C'est le père de Flore ou bien de l'or. Bonsoir, le père. Bonsoir, le père. Bonsoir, mon fils. Papa, c'est mon ami. Ah. Oui, il est plus que mon frère. Ah, ok. Sois la bienvenue. Merci, comment... papa. Mon beau ressemble à Flore. Le père de Flore. Le père, vous avez une belle fille. Pim, comme ça. Ah, yeah! Hein, mon fils? Oui, papa. Mais j'ai toujours des beaux enfants. Si tu... Des belles filles. Si tu vois son frère aîné, il est comme un métis. Regarde-moi. Et il est élégant, hein? Hé! Ah bon, le père? Non, je confirme. Je vois le charisme en direct. Ah, le père de Flore. Je comprends que sa beauté n'est pas venue de loin. Hein? Oui. Serve une bière, mon ami. Gang, j'avais un rendez-vous.
À notre époque, il n'y avait pas de préservatif, ni de conservatif, rien. Nous, on espaçait les naissances de 2 ans à 3 ans. Nous, quand on est les parents. Contraceptif. Contraceptif. Ouais, okay. Bon, attends, je réponds. Attends. Action. Je réponds. Oui. À notre époque. Merde. À notre époque, il n'y avait pas de préservatif, ni de contraceptif, rien. Vas-y, c'est bon. Ouais. Mais... C'est fou. Jusqu'à ce que ce sont que les fous qui me draguent. Jusqu'à ce que... Ok. On écrase le pistage. Non, c'est quel le pistage? Aujourd'hui, vous faites quoi? Hein? On écrase le pistache. Le secret du pistache. Le secret du pistache, c'est de bien écraser. C'est lui. Ma mamie, tu sais ce que tu vas faire? Comme c'est lui-même qui vient te draguer, non? Mange les bêtises jusqu'à. En fait, ma mort ici. Mange jusqu'à tu manges même les os. Tu entends, non? Donc, traumatise-lui. Jusqu'à ce que quand il regarde. Oui. Tu entends, non? Donc, traumatise-le. Salut! Voilà! Bonjour! Eh oui, on vient comme ça souhaiter un joyeux anniversaire à Godis de Bepanda. Godis de Bepanda. Godis de Bepanda, voilà, oui. Dit qu'il est beau. C'est même il y a passé. Oui, malgré le retard, mais joyeux anniversaire quand même. Hein. Ok, salut aussi ma personne. Ok, salut aussi ma personne. Okay. Vas-y alors. Zagalo. Zagalo Zaga. Zagalo Zaga. C'est ma personne. Voilà. On salue également Bertrand, Yengi, Tony Armel, Bakob. Oui. Marie Nyamva, hein? Yuka... Mounia Joël. Voilà, Mounia Joël. Mounia Joël. Spinto. Yuka Le, Miss Lop, ouais. Disen, William Evaris, voilà. Mougain Joël. Mougain Joël. Donc, on profite tout simplement pour dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Continuez à nous soutenir. NG. Voilà, fun Spinto, comme tu as dit. Continuez à liker, abonnez-vous. C'est grâce à vous qu'on est ce qu'on est. Ciao. Ciao. Abonnez-vous au prochain. Bye. Bye.